Alors, Toto Wolff, Hamilton utilise toutes les armes de son arsenal. Selon Wolff, mais il y a des limites qui ne seront pas franchies. Lewis va tout faire pour gagner ce championnat. Il va utiliser toutes les armes de son arsenal, mais ça n'inclut pas un pilotage sale. Quand vous entendez les commentaires sur sa conduite et l'incident, Lewis est vraiment le contraire de quelqu'un qui pilote de manière sale ou trop agressive. C'est un vrai sportif. Nous n'avons jamais vu de gros accidents avec lui. Et c'est pourquoi il a gardé son attitude digne après la course. Vous l'avez vu, l'incident ne le dérangeait pas particulièrement. C'est une honte, il a fêté sa victoire alors que Verstappen était à l'hôpital. Honteux, Lewis. Qu'entend donc Wolff par arme alors? Il pense surtout aux récentes visites de Lewis dans le simulateur comme preuve que le septuple champion du monde s'investit. On sait tous que le simulateur n'était pas son outil préféré dans le passé. Nous l'avons développé à un niveau assez bon. Il est peut-être le meilleur de sa catégorie, il a commencé à en voir les avantages. Cette bataille est si dure que vous devez saisir chaque gain marginal et c'est pourquoi nous avons progressé ensemble pour mieux comprendre la voiture grâce à cet outil qui est le simulateur. Nous sommes en déficit en termes de performance par rapport à Red Bull et c'est pourquoi vous avez juste besoin de tout mobiliser dans votre arsenal et c'est ce qu'il fait en tant que pilote et nous en tant qu'équipe. Voilà de quoi relancer la polémique. Non, j'ai... Alors on verra, de toute façon à mon avis il y aura d'autres accrochages entre les deux, ça c'est quasi sûr, même dès la Hongrie peut-être que Verstappen... Alors moi je pense que la Red Bull sera meilleure que la Mercedes en Hongrie, on verra, mais a priori ce sera ça, donc bon, à mon avis Verstappen fera la pole, et ça sera assez dur pour Lewis de gagner, à moins qu'il se jette au premier virage, parce que bon, en Hongrie on peut pas trop dépasser de toute façon, à moins de forcer, ou à moins d'avoir une stratégie vraiment décalée par rapport à son adversaire. Voilà, je vous laisse réagir, ciao ciao.